TPMP, Jessica Thivenin et Thibault accusés de fraude fiscale par Benjamin Castaldi, ils répondent. Accusé de s'être exilé à Dubaï pour échapper aux impôts par Benjamin Castaldi dans TPMP, Jessica Thivenin et Thibault Cureau des Marseillais, ont répondu. On vous explique. Il y a quelques mois, Jessica Thivenin et Thibault Cureau, stars du programme de télé-réalité Les Marseillais diffusé sur W9, ont décidé de s'installer à Dubaï. Une nouvelle vie qui semble faire beaucoup parler, notamment les chroniqueurs de TPMP. TPMP, Benjamin Castaldi accuse les candidats de télé-réalité de s'exiler pour échapper aux impôts. En effet, cette semaine Benjamin Castaldi et ses confrères se sont exprimés sur ces candidats de télé-réalité, qui ont décidé de tout abandonner pour se reconstruire aux Émirats Arabes Unis. Si pour Jessica et Thibault il s'agit d'être sécurité dans un pays où ils passent incognito, pour les chroniqueurs de TPMP, ce n'est pas le cas. En effet, l'ex-présentateur de Secret Story a accusé le couple d'échapper aux impôts. Le seul intérêt de Dubaï, c'est qu'il n'y a pas d'impôts, faut arrêter de dire n'importe quoi. Ils sont là-bas pour ne pas payer d'impôts, a-t-il déclaré. Il a ajouté, et s'ils ne mettaient pas sur Insta, toute la journée leur Rolex ou leur pognon, ils ne seraient pas braqués. Thibault Cureau, toutes mes boîtes et mes employés sont en France. Par conséquent, Thibault Cureau s'est saisi de son compte Snapchat pour régler ses comptes, et répondre à TPMP. Il s'avère qu'un certain Benjamin Castaldi a dit que nous étions partis avec ma chérie pour les impôts. Mais Benjamin, déjà nous ne nous connaissons pas. Je t'aimais bien à l'époque de Secret Story. Mais pourquoi tu parles garçon? Il se justifie, toutes mes boîtes et mes employés sont en France. Et je paie mes impôts en France. Je ne vais pas t'envoyer le chèque parce qu'il va t'affoler. Pourquoi tu parles? Bref, tout ça pour dire que dans la vie, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut fermer sa gueule, voilà, tout simplement.